Salut mes saillants, ouais, voici Captain Fleur, de laisser plus que nous sommes nom de champion même, c'est on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Ni No Kuni, vidéo 15. C'est quoi ces bébêtes là? André décalement. Peu importe. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller voir la reine Nerenda, qui est juste ici, comme que vous pouvez voir. Dans la dernière vidéo, qu'est-ce qu'on a fait? Nous se sommes. Bouf. Ça fait deux fois que je dis ça, hein. Nous se sommes. Ouais. Nous sommes allés à Selakan, la ville où les règles règnent. Donc, première règle, tu ne blesseras point autrui. Deuxième règle, tu n'auras point à des endroits dangereux. Troisième règle, tu ne tomberas point malade. Et troisième règle, l'amour est éternel. Ouais, la plus absurde de toutes. Ouais, puis si je me trompe pas, c'est dernier ordre en plus. Ouais, malade. En arrivant à Zoran, j'ai eu la nausée. Oh, en arrivant. Puis on s'est formé par les villageois. Puis on a. Et Evan s'est marié avec Santi. Bah, un faux mariage, bien évidemment. Mais ils se sont quand même mariés d'une certaine façon. Il n'y a pas la tête qui est différente de la dernière fois. Il a la tête plus droit, je trouve. Je peux pas. Allons la voir. Now. Ainsi donc, vous souhaitez former avec nous ce traité de Donovan. If I may be so bold. Notre royaume ne se trouve pas en position d'accepter une telle alliance. Il paraît plus avisé de refuser leur proposition, ma reine. Un instant, Cecilius. Oui, ma reine. Nous avons une condition. De quoi s'agit-il? Sur une île isolée près d'ici se trouve le labyrinthe des dents. Damné. Ah ouais. Une sinistre créature du nom de Grand Viata en a fait son antre. Il se trouve au fond des ruines. Si vous parvenez à le vaincre, nous accepterons de signer le traité. Mais enfin, ma reine. Vraiment? Yes. Cecilius, tu les accompagneras. Il comprend rien! Of course. Vos désirs sont des ordres, marin. Il comprend rien. Je ne peux désobéir à marine. Je vous accompagnerai jusqu'à ce que vous ayez intéresser ce grand viatan. Forgive me. Permettez-moi donc de me présenter convenablement. Je suis Cecilius Fortis, majesté de Selakan. Ravi de t'avoir parmi nous, Cecilius. J'ai la misère. Ça tient beau. J'imagine que tu sais où se trouve le labyrinthe des derniers. Pourrais-tu nous dire comment y rendre? Nous y rendre. Oubliez-nous. Nous devrons le trouver en sortant du port et en naviguant vers le sud-est. Bon, je pense que... Les choses de champignons, je sais pas trop quoi. Alors, il est là de faire de la bouillie de Grand Viatan. Temporaire. Intéressant.
C'est ça, enfreindre les règles. Dans le fond, on peut pouvoir en faire ça. Et on peut pas voir par en haut. Hey, c'est dommage, c'est au fond de par contre. L'océan, on dirait. Hey there. Voulez-vous utiliser le portail pour vous rendre à la grande place? Téléportation. Et voilà. Là! Pour moi, ça va te prendre un certain temps. Je vais noter combien de temps. Bon. Et voilà, je sais pas si je l'avais vu ou il est apparu par la suite. Mais le voilà. Dernier point de le point de voyage. On n'a pas le droit d'aller là. On s'est marqué juste là. Attendez. Juste ici, on s'est marié. C'est merde, un bel endroit quand même. Non, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous laisser. Puis moi, je vais m'entraîner un tout petit peu parce que le niveau de Evan est trop bas pour du niveau 30. Même si je réussis quand même à l'avoir. Ah oui, pour la dernière vidéo, je suis désolé pour cette série toute la quête. Le jeu n'a pas embarqué. Ouais. Je vais refaire le jeu jusqu'à où que je suis rendu, bien sûr. Pour pouvoir enregistrer les bots. Je sais pas plus c'est quoi cette là. Puis j'ai tout fait qu'il est mort du premier coup. Ouais. Evan était par contre deux niveaux inférieurs au. Aujourd'hui, je suis à 1. On va se pratiquer. Alright. Et bien alors, vous voulez. Y a-t-il un point de sauvegarde dans le coin? C'est la... une chose que je peux faire ici encore. C'est bien. Une des seules choses que je n'ai point vu actuellement. Bof. Alright. Ouais, on y va. Entendu, mon tabac. Alors, allons-y. C'est quoi cette affaire-là? J'avoue que j'aurais pensé que ça aurait été cette affaire-là. Là. Allons-y! Je n'ai pas peur. Les affronter. Beaucoup amélioré en attaque ici. I need your help. C'est tout. Dommage. Comme ça, je me fais plus d'expérience. Eh oui. Yeah!
Allez, je suis prêt. Oh, je fais octoplace. Ok, on reste dans ce mode voyage encore. Voilà, dans le labyrinthe des damnés, la reine a dit que le Graviathan se trouve au fond. De nombreux revenants hantent ces lieux. Il serait plus sage d'avancer jusqu'à la créature à l'aide d'une opération militaire. T'es sérieux? Non, c'est un peu d'enfer, d'opération militaire, je pourris. J'aurais pas le choix d'y aller, ça c'est ça. Mais avant. Je veux m'entraîner. On peut pas aller plus loin. Je me sens tellement pas prêt. Je vous laisse, je vais aller m'entraîner pour l'instant. À tout mon niveau. Ça va. Bon, on est de retour. J'ai beaucoup... Je suis en vous entraîner. Evan est rendu au niveau 30. Équipe. 30, 29, 36. Lui, on a, il était 34. Lui, il m'a fait monter de deux niveaux. 29 et 30. Zoran est à 30. Je vais voir de quoi. Oh, Evan y a dépassé ça. Bien, c'est ce que je voulais. Là, pourquoi je prends Cecilius? Parce qu'il est quand même un niveau plus haut. Pourquoi je prends pas Zora à la place de Roland? Parce que j'aime mieux Roland que Zora. Lui, c'est temporaire de toute façon. Allons faire l'opération militaire. Oh, niveau 37, facile. Chose que j'ai battu même du niveau 43. Première défaite. Mais c'est pas facile, c'est pas de là. Action rush. Oh, je suis en progressera pas bien dans l'histoire aujourd'hui. Now, good luck, everyone. Escape! Charge! Charge!
forgive me. We can't afford to lose! From we'll be right back.
Yes. That's the end of that! Bish, bash, bosh! Il ne reste plus que les bestioles. Ça n'a pas été évident, je vous le dis. Ok, je suis correct. Il va sûrement avoir un point de sauvegarde puis de téléportation. De voyage. Point de sauvegarde, oui. Point de téléportation. De voyage, non. Autre du crack viatin. Mais où est-il? Wow. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le crack viatin est certes un monstre féroce, mais il n'est pas une menace pour Selakin. Pourquoi la reine s'étend à ce que vous risquez votre vie pour combattre cette créature? C'est sûrement important pour elle. Peut-être bien. Craviatin, c'est un peu comme la bestiole qu'on se drink. C'est ça. Un peu inspiré cette douche. Watch your back! Take it back! Make yourself useful!
Nous avons réussi, beau travail. Il n'y a plus qu'à retourner voir la reine. Nous avons rempli notre part du marché. Il ne devrait plus y avoir de raison qu'elle ne signe pas notre traité. Oh! En fait, vous avez vu cette chose qui est tombée du monstre une fois vaincu? Qu'est-ce que c'est? Obtenez une larme de crème. Ah, c'était ça qu'elle veut. Qu'elle voulait. Une larme de crème gâteau. Ne me dis pas que. Qu'y a-t-il, Cecilius? Yes. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Rien du tout. Je sais rien du tout. J'ai pas le temps de lire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends pour la prochaine vidéo? Ou... non. Je ne sais pas. Honnêtement, si je devrais attendre pour la prochaine vidéo. Chose que ça risque d'être la fin du chapitre, probablement. La fin du chapitre 5. Je vais recommencer, bien évidemment, de tout, encore une fois, recommencer le jeu au complet, jusqu'à me rendre ce que je suis, mais pour quelque chose d'autre, par contre. Oui, il y a des enfants. Ouais, il y en a. Ils sortent sûrement de la ville pour faire de... pour se marier ou des enfants de même. Sûrement. Et puis s'il peut pas le faire ici. L'intrigue est trop présente. Bon, ça sera un spécial. Allez, on y va. Puis ça sera une heure de vidéo, pas grave. Monsieur le Métis, vous voilà enfin. Sa Majesté la Reine a disparu. Nous avons fouillé le palais et la ville de fond en comble, mais elle reste introuvable. Comment? Yes. De plus, nous avons reçu un rapport indiquant que le grand tourbillon bloque l'accès au gouffre des abysses a aussi disparu. But... oh. What is it? Qu'est-ce que cela signifie, Cecilius? Le gouffre des abysses est l'endroit où se trouve le dôme sacré de notre gardien d'Aconage. En temps normal, l'entrée est obstruée par un tourbillon créé par la magie de notre reine. Elle est donc la seule à pouvoir le faire disparaître. C'est bien parti là-bas. En clair, la probabilité qu'elle se trouve là-bas est très grande, c'est ça? Cela? Oui, mais il n'y a aucune raison qu'elle s'y rende. Quelque chose ne va pas. Et si Kondal était derrière tout ça? Yeah. On ferait mieux de la rencontrer là-bas au plus vite. Dirigeons-nous tout de suite vers le gouffre des abysses. Tu... nous explique les détails en route, Cecilius. You have my thanks. Merci infiniment pour votre aide. Là, par contre, ça va... là, cette fois-ci, ça va être vrai. Nous allons se laisser. Bon, je vais me rendre jusqu'au port, par contre. Alors, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Il y a de l'action. Mais moi je vais pas me rendre là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter le niveau de mon équipe. Les vannes pour pouvoir avoir un bon niveau pour vaincre les monstres. Parce que là le niveau, là il commence à être pas super. Mais je vais le monter encore pour être
oublier ce parce que on s'entend que on va avoir de la difficulté sinon. Ouais. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans les liens sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, surtout pour une nouvelle aventure sur Ni no Kuni 2. Donc je vais continuer en hors vidéo. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Nothing. We'll be right back.
Yeah.